Konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans cet épisode 8 de Shenmue. Et après, j'avais pas donné de titre à la fin du 7ème épisode parce que je savais pas vraiment quoi dire. Et puis surtout que je m'étais trompé sur la fin, j'ai dit on se retrouvait pour le prochain épisode 7 alors qu'on est sur le 8. Et donc du coup, comme son nom l'indique, il s'appelle Et après, puisque comme on a enfin rencontré Charlie dans le salon de tatouage pour lui demander, rappelez-vous, des informations concernant le cartel chinois et qu'il ne savait strictement rien, et qu'il nous a justement donné rendez-vous donc aujourd'hui en ce 6 décembre 86 à 15h devant la salle d'arcade. Donc là, on a le droit à une petite cinématique. Father, I promise to avenge you. Donc Ryo qui est toujours en tête de venger son père. Alors je sais pas si vous remarquez justement une petite différence en termes d'image. J'ai enfin acheté mes deux softbox que j'avais promis comme la dernière fois. Dans cette première vidéo de bonne année 2017. Et donc du coup là franchement je pense qu'on voit vraiment une meilleure qualité d'image. Donc avant de commencer, enfin concrètement là, on va se taper un petit entraînement avec Fuxan. Alors bien évidemment j'aurais peut-être pu utiliser le stick arcade, mais j'y avais pas pensé. Alors on va devoir jouer un petit peu, taper dans, on va devoir appuyer un peu sur tous les boutons un petit peu en façon aléatoire, on va dire, parce que moi j'ai pas appris les listings et du coup je m'attendais vraiment pas à pouvoir, oula, le gros plan d'un coup, j'ai pas appris le listing des arts, enfin ouais le listing des attaques de combat, et surtout je m'attendais surtout pas à pouvoir faire un entraînement comme ça direct avec ça. Donc du coup ça va durer à peu près 2-3 minutes. Donc concrètement qu'est-ce qui va se passer après? J'ai une petite idée, mais concrètement, il va y avoir une lettre, si mes souvenirs sont bons. En attendant, on peut pas faire stop, je pense. Si on peut faire pause, mais c'est pas la peine. La prochaine fois, quand on aura un petit combat entre 3 ou 4 personnes, j'utiliserai le stick d'arcade. J'utiliserai le stick. Oh, pas mal. Allez. Alors ce qui est bien aussi à la fois c'est que, ah bah ouais c'est fini, ce qui est bien à la fois c'est que la caméra tourne sur elle-même et je crois que c'est dans Virtua Fighter 3 Team Battle qu'on peut se mettre à la place du personnage. Attends, j'ai entendu du bruit juste au-dessus les voisins, dans le Virtua Fighter 3 on peut se mettre à la place du personnage qui donne vraiment un autre effet de jeu vraiment bizarroïde. Mais franchement, on a toujours été habitué de jouer à troisième personne, c'est-à-dire face à face de joueurs côte à côte. Donc voilà, vraiment un petit truc, un petit détail, c'est sympa. Only option. I know how you feel, but it's too dangerous. Even Sensei couldn't. I've made up my mind. But what if something happens to you? I'd feel responsible. Don't worry about me. No, Ryo-san, is that why you started training? Oh, please. I'm begging you, please think it over. My mind is made up. I must go. Ryo-san. Ine-san, you overheard? Please don't pursue this, Ryo-san. I have to. Please step aside. I'm begging you. Respect Hazuki-sensei's will and look after the dojo. I can't believe my father killed someone. Ryo-san. Please wait. There's something I must give to you. Alors du coup on rentre une fois de plus dans la résidence et moi je sais très exactement pourquoi on rentre. Puisque je crois que c'est une lettre hein, si mes souvenirs sont bons. Et ouais c'est ça, c'est la lettre qu'on avait vue dans le tout début du jeu, 3 jours après la mort de Iwao Hazuki. Mais le seul inconvénient c'est que cette lettre est chinoise et du coup... Comme la lettre est chinoise et qu'on sait parler le chinois, qui on va faire appel? Bah au restaurateur qu'on avait vu quand on recherchait les informations concernant Landy, quand on demandait autour de soi si vous avez vu quelqu'un, un chinois nommé Landy ou machin. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller rechercher justement ce fameux... comprendre qu'est-ce qui est marqué sur cette lettre.
Make a promise to me. Yes, sir. Please, I need you to promise me. Yes, I promise. Thank you, Dio-san. Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. On va peut-être regarder le memo pad quand même avant de... Enfin, le notebook. Inesan gave me letter writing in Chinese, ok. Ok, donc juste ça, bon, une lettre en chinois, tout ce qui est plus banal. Par contre, par où on sort? C'est par là. Ouais, c'est là. C'est par là qu'on sort et on file. Par contre, ça fait chier de... Ah, je viens de le passer, quel con. Je pensais qu'on était à l'autre bout du truc. Et là, on va ressortir. Voilà. I have to be sure not to waste this. Bon, allez, on va se rendre directement à Sakurakaoga. Non, peut-être. Ah non, il nous l'a pas demandé, bizarre. Bon, peut-être qu'apparemment, on a un truc à faire dans la descente de Yamanose. Allez, c'est parti. Alors, vu la musique, il va se passer un truc. Ah bah ouais. Ryo-san, what were you talking about with Ine-san? Well... Is that a letter? In Chinese? Is it from the man who murdered Sensei? I don't know. Damn it! If only we knew someone who reads Chinese! Voilà, donc notre but, on va essayer de chercher quelqu'un qui sait lire le chinois. Donc peut-être les restaurateurs. On verra bien. Et à mon avis, je pense que ça sera sur le prochain épisode. Peut-être que sur le prochain épisode suivant, qu'on aura terminé le CD numéro 1. Et que là, on va pouvoir enfin se concentrer sur... Regardez le petit chat. Si c'est pas mignon, tout plein. C'est là qu'on va pouvoir enfin se concentrer sur le CD numéro 2. Tout le restant de la quête, enfin tout le restant, plus des trois quarts de la quête va se passer dans la marine. On est peut-être pas censé le savoir, mais concrètement c'est ce qui va arriver. On va passer un bon bout de temps dans la marine, à travailler justement avec les petites fourgonnettes. Mais juste avant, voilà, on va essayer enfin de retrouver une fois de plus ces fameuses lettres, enfin, qu'est-ce que signifie justement cette lettre chinoise qui était donc destinée à Iwa Watsuki, malheureusement quelques jours avant sa mort. Ah. What's wrong? A man with sunglasses took my soccer ball. He said he'd give it back if I brought you to him. What? Where is he? At the construction site. Mais je croyais qu'il était censé nous attendre à la salle d'arcade. Bizarre. You. I knew you couldn't resist, boy. What? Remember the tattoo parlor? Payback time. Here, catch. Go home. What? Allez, on va essayer de les dégommer. J'ai vraiment du mal. Ah. Hey. Alors, je rappelle encore un truc sur les combats. Putain, ouais, mais attendez-vous. Putain, je suis un peu dans la merde. Hé hey. Allez, on va essayer de détruire sa race, voilà. Le seul truc que je vous rappelle quand même pendant les combats, c'est qu'on là, forcément, là, je suis pas... Ah bah si, c'était bon. Je pensais que j'étais dans une merde. Ah. Écoutez. Et... Puh dans sa gueule. Ah, les fameux ralentis comme ça, comme je les aime. Oui, alors je rappelle encore une fois, quand on a la jauge d'énergie qui est en bas de l'écran à gauche, quand on se prend des coups, forcément, on perd de la vie, mais quand on se fait pas toucher pendant un certain moment, on récupère un petit peu à la fois cette vie en question. Donc petit rappel quand même pendant ce jeu de combat. Enfin, pendant ces périodes de combat.
What's your name? Apparemment, ce gamin Ryo. Est chinois. Ryo Hazuki. Ryo. Est-ce qu'il peut nous aider? Hazuki. Yeah. Shei-shei, Ryo-san. Alors, Shei-shei en chinois, ça veut dire merci, hein, tout simplement. Bon, bah, malheureusement, il ne nous a pas aidé, mais est-ce qu'on a quelque chose de plus? Voyons voir. Help a Chinese boy named Gowen. This is my only leads now. I'm sure it will reveal the next tabat. Who can read this letter for me? Donc, le gamin n'a pas pu le faire, mais qui peut le faire à ma place? On va aller descendre directement au resto. Alors, peut-être que les membres du Tao San peuvent faire quelque chose là-dessus. C'est ce que nous allons voir. Alors c'est vrai que les deux dernières avaient duré au moins plus d'une bonne demi-heure parce qu'il fallait bien attendre le moment venu pour avancer dans la quête, sinon j'aurais fait plus court. Et ça aurait été un peu plus chiant que de faire ça en deux parties s'il ne s'était absolument rien passé. Alors est-ce qu'il est... C'est pas le cuistot qu'il a, non? D'habitude il est toujours là à demander du fric. Bon, j'espère que de votre côté, vous, vos fêtes de Noël se sont plutôt bien passées. Moi, après cette dernière vidéo que j'avais refaite, rappelez-vous, sur Christmas Night in Dreams, donc la version de Night en version Noël. Oula, j'ai pas vu venir. Moi, bah, du côté, moi, ce que je voulais faire avant de les reprendre, c'était acheter ces fameuses lampes, ces fameuses softbox. Et du coup, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases avec des toutes nouvelles vidéos. Voilà, ben du coup j'espère que pour cette résolution, cette année 2017, on peut faire quelque chose de fort pour cette nouvelle année. Et d'ailleurs, on va d'abord parler au gars d'abord et puis je vais vous dire un truc juste après. Have you got a minute? Yes? What is it? I was wondering whether you could translate this letter for me. Oh no, there are a lot of old kanji characters. And it's written in an unusual way. What does it say? I'm sorry. I can't read it. Oh, really? Right? Oh, yeah, really. But this kind of paper is used for ceremonial purposes in Chinese calligraphy. Ceremonial purposes? Tao-san, what ceremonial purposes? It's the top quality grade of paper. It's used for fine calligraphy. It's also used for ceremonial cooking. To wrap around sea bass, it's very famous. But you can't read it? No, we can't. Oh, but Guangji might be able to. Huh? Ask Guangji. He's out delivering on the shopping street. He's good with kanji characters. I got it. I'll try him. Donc du coup, bah, on va aller revoir celui à qui on lui avait offert une boisson, vous savez, le cuisinier à lunettes qui travaille donc au Tao San. Donc peut-être lui peut faire quelque chose, puisque les boss de ce resto ne savent pas lire. Apparemment, ce sont de vieux kanji, ils ne savent pas les lire. Apparemment, c'est pas écrit dans le bon sens, enfin, je veux dire dans le sens de l'écriture. Donc on va essayer de le retrouver. Alors donc, il était ici. On va voir si on peut faire quelque chose. Ah, mais putain, c'est chiant, ça, toujours des gens qui apparaissent comme ça quand on le veut pas. Alors, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. On va pouvoir le retrouver, on va lui refiler une boisson, du coup. Hop. Hi. How's it going? What's wrong? I'm so thirsty. I want a drink. But I don't have any change. I'll buy you one. What do you want? You're really nice. Thanks. What kind of drink do you recommend? Let's see. Here. Thanks a lot. You've made my day. Can I ask a favor? Yes. Can you translate this letter for me? Thank you. Oh. These kanji are weird.
I can't read them. Really? I'm sorry. It's okay. Wait! My Japanese teacher's a kanji expert. Show her it. What's her name? Shaoxer, yeah. She sells antique dishes at her china shop. Shao Shuyu at the china shop? Yes. I'll ask her. Thanks. Okay, I've got to go. Got things to do. Thanks for the drink. It's okay. See ya. May I help you? Excuse me, are you Xiao-san? Yes, that's right. And you are? I'm Ryo Hazuki. Hazuki-san? Oh yes, my grandson. Go and told me. Thank you very much. Mm-hmm. You helped him at Sakura Gaoka. Oh, I remember. He was so excited when he told me. He now aspires to grow strong and brave, just like you. It was nothing, really. So, what brings you here? Well, I have a letter I'd like you to translate. Donc voilà, enfin on a eu ce qu'on cherchait. Donc la lettre, je vous rappelle encore une fois, qui était donc destinée à Iwao Atsuki et qui disait tout simplement que si on avait besoin d'aide parce qu'on allait se faire voler le fameux miroir, il fallait demander de l'aide à Master Shen. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner voir la vieille dame. Rappelez-vous, quand on devait aller voir cette espèce de le bâtiment mafieux, rappelez-vous, dans le 4e ou 5e épisode, je sais plus, qui nous avait dit, ouais, faites attention, ce sont des gens pas très clean. Donc du coup, on va y retourner et on va passer ce coup de fil directement. Alors, que signifiait Father's Heaven, Nine Dragons, ceci, cela. Donc on va passer le coup de téléphone sur le champ. Je sais plus, c'est quoi, 0468. On va regarder. Code, hashtag you. Alors voilà, téléphone est là. 04 68 61 56 47. What does it mean? Alors, 04 68. Father's Heaven. Voilà. Nine Dragons. Je l'ai pas perdu. Mother's Earth. Alors, avec le vieux fameux téléphone à touche. Alors, I'm sorry, it 04. Doesn't make sense. I understand. But I think this part may be a phone number. These ancient characters are numbered. 68. A phone number? Yes. 0468 615647. Je sais même plus c'est quoi le numéro. 6-8-6-1-5-6-4-7, right? I've got it. Thank you very much.
Voilà. Avec les fameuses sonneries d'attente au Japon. Hello. Father's heaven. Là c'est Nine Dragons. Nine Dragons. Mother's earth. Comrades. Voilà. Comrades. Warehouse number 8. Warehouse number 8? You. Who are you? Isn't this the Chen residence? Oops. Il raccroche directement au nez. That's warehouse number 8. Ouais, mais du coup, ça nous avance pas vraiment. Alors du coup, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, on va aller voir la dame. On va juste parler à Hirata-san. Non, mais moi, je veux pas parler à... Voilà. Hi, Hirata-san. Ah, hi there, yo. Do you know where warehouse number 8 is? What? Firehouse number 8? No. No, warehouse number 8. I don't believe I've ever heard of it before. I have the phone number, but... Well then, why don't you try looking in the phone book? The address might be listed. Yeah. Eh ben du coup, on va regarder dans le bottin, à l'ancienne. Ouais, mais moi je veux pas parler à cette, je veux pas parler à madame, moi je veux avoir ce... Putain, je veux regarder le bouquin, bordel. Ah, mais putain, mais c'est qu'il est capricieux, sans déconner. Hein. Voilà. Voilà, on va quand même y arriver. Got it. 61. It's in Amihama. Voilà, bah du coup, on va redemander une fois de plus. Non, je peux pas téléphoner. J'ai eu ce qu'il fallait. Non. Non, je peux pas téléphoner. Voilà. On va reparler à Hirata-san. Non. Pas ce putain de téléphone, j'ai dit non. Je veux pas le bouton non plus, j'ai fait ce qu'il fallait. Excuse-moi. Voilà. Yes. Which way is Amihama? Amihama? That's the harbor. Donc c'est bien ça, ouais. Amihama, ça sera donc dans le port. C'est un bon bout de temps là-dessus. If you turn right onto the main street, there's a bus that goes there. Where is Amihama? The harbor, I think. There's a bus stop. Thank you. Voilà, bah c'est ici qu'on va devoir se quitter, je pense. Enfin, je crois que... Voilà. Ah bah, ça y est, on peut enfin sortir. Est-ce qu'il y a... Le bus, je crois, passe dans ce coin-là. Je peux pas aller plus loin. Voilà. De toute façon, le jeu est bloqué comme ça. Ça fait un petit peu comme une île, si vous voulez. Alors que normalement, on a un monde libre. On est bloqué à cet endroit, enfin on est bloqué dans tout le centre, dans tout le centre-ville d'Obuita et Yokohama, et tout le reste va se passer dans le port. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre gentiment à ce qu'un putain de bus arrive. Alors eux sont libres d'aller où ils veulent et de sortir de la ville, moi je ne peux pas. Il y a bien des codes, je crois, qui existent. Sur une version pirate ou une version modifiée où on peut faire ça. Enfin, apparemment, soit c'est sur émulateur ou c'est une version modifiée, je sais pas. Donc on attend. Alors ce qui est bien, c'est que quand on regarde la première personne, quand on... Alors, le bus il passe de l'autre côté, peut-être qu'il va arriver tout à l'heure. Alors ce qui est bien, c'est que quand on regarde une personne et quand on le fait aller à la première personne, la caméra suit directement cette personne et on va prendre ce bus. Et voilà, direction le port. Et normalement, je crois que si je me trompe pas, on finit concrètement ce premier CD. Et ben ouais, voilà, on vient de finir le premier disque. On va directement sauvegarder tout ça. Hop,
Voilà. Bah du coup, c'est ici qu'on va se quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle fut longue, mais enfin, ça y est, on a terminé ce premier disque. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait énormément plaisir. Et quant à moi, on se retrouvera pour l'épisode 9, du coup, je me suis pas trompé. Rendez-vous à Amiyama. Sayonara Tomodachi. Wait the fucking dog, get fucking ass.